Toi, là. Toi. Toi, là. T'as-tu entendu parler de ça? Ça allait que Miranda. Ben, mieux dit, Miranda, ça allait qu'elle a fait une vidéo sans chanter. Mais voyons donc. Je pensais qu'elle savait juste chanter, cette petite fille-là. Ben, tabarouette, ça allait qu'elle parle. Hey, moi, ça m'intrigue, je veux savoir. Moi, je vais aller voir cette petite vidéo-là. Là. Fais-moi donc craindre que toi, ça t'intrigue pas aussi. T'es sûr que ça t'intrigue? Voyons donc. Elle fait juste chanter, puis seulement cette petite fille-là, puis là, elle parle. Tabarouette. Moi, je vais voir ça, là. Maudit, je te vois mal. Je te vois mal, là. Je te vois mal. Même, je vois pas. Même, je vois pas. Je vois rien. Je vois rien. Je vois rien. En tout cas, tu comprends le message que je t'envoie, là? Faut que t'ailles voir cette vidéo-là, là. T'as pas chouette, là. Bref. Bonne soirée, moi c'est Georgette. Et bienvenue à tous sur ma toute première vidéo sans chanter. C'est possible. Fait que comme je vous l'ai dit, c'est ma toute première vidéo sans que je chante sur ma chaîne YouTube. C'est assez stressant, je suis pas habituée de parler devant la caméra. Genre, habituellement je chante, puis c'est ça. J'ai un petit mot avant, puis tout, mais vraiment parler devant la caméra, disons que ça me stresse un peu. Mais ça va bien aller, j'ai confiance en moi. Le but de ma chaîne YouTube, c'est vraiment juste de partager ce que j'aime, de me laisser aller, d'être moi-même et de pouvoir partager en fait des passions que j'aime avec vous. C'est vraiment mon unique but. Je fais ça pour le fun. Je me mets pas de pression avec ça. Je vais en faire le plus souvent que je peux puis je vais faire des vidéos quand les sujets vont être... Ben, je trouve qu'ils vont être assez intéressants puis que je pense que ça vaut la peine d'être montré. Je vais parler aussi un peu des contenus que je pense peut-être un peu... avoir dans mes vidéos. Ça va être vraiment la mode parce que j'aime vraiment ça. Parce que j'ai des looks assez extravertis et assez flashy, fait que je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Ensuite, je vais sûrement parler beaucoup des perruques. Pour ceux qui me connaissent, je porte souvent des perruques et j'adore ça. En ce moment, c'est mes vrais cheveux. Je vais parler aussi des maquillages que je fais, ben montrer en fait les maquillages que je fais. Je vais... J'ai plein d'idées là, mais là, vu que je vais dire ça, ça sort pas. C'est sûr et certain que je vais continuer à faire des covers de chansons que j'aime parce que la musique, c'est toute ma vie. C'est trop le fun. J'adore chanter, c'est ma vie. Puis ensuite, j'ai pensé aussi comme idée de faire des vidéos de danse. Moi, je fais beaucoup de Zumba, ça va faire 2 ans. Mais j'aime beaucoup aussi créer des petites chorégraphies puis de dépenser mon énergie, en fait, s'entraîner. Fait que je pense que ça va m'intéresser plusieurs de faire de la Zumba pour faire un peu de cardio. Tu sais, en dansant, c'est toujours le fun. Puis on oublie qu'on fait du cardio, puis on... Je sais pas, il me semble que c'est le fun. Fait que je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire ce genre de vidéo sur ma chaîne YouTube aussi. Bien sûr, je vais faire aussi des... je vais partager mes commandes que je fais, genre des vêtements que j'achète, du maquillage. Quand je reçois une nouvelle commande, bien, je vais faire une vidéo. Parce que c'est tout le temps fun aussi de voir des nouveaux produits, puis tout, puis des nouveaux vêtements. J'aime beaucoup les vêtements, fait que il va sûrement en avoir plusieurs. Aussi, je vais faire des vidéos de vraiment tout ce que j'aime en fait. Fait que je vais pas en dire plus sur le contenu qu'il va avoir parce que... Tout ce que je vais trouver pertinent, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube, c'est sûr et certain. Bon, vu que j'ai parlé un peu de mon contenu qu'il y a à avoir sur ma chaîne, ben, je vais maintenant parler un petit peu de moi. Hihi! Je m'appelle Miranda, j'ai 18 ans, je vais bientôt en avoir 19 en juillet. Je chante maintenant depuis environ peut-être 10 ans. J'ai toujours fait partie des spectacles à l'école, au secondaire, de chant, de danse. J'ai toujours été le plus possible dans les événements artistiques à l'école parce que je trouvais ça vraiment important. Ça a fait travailler beaucoup ma créativité. Je suis devenue plus artistique, rêveuse. Fait que je pense que c'est important d'avoir des rêves comme ça dans la vie. Moi, mon rêve, c'est de faire de la musique, vivre de ça. Fait que j'espère qu'un jour ça va se réaliser. Puis je suis quelqu'un de confiante. Fait que je pense que je vais réussir dans la vie si je lâche pas, puis si j'avance. Fait que je pense beaucoup comme ça dans la vie. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis une personne très positive, ils tracent son affaire quand elle aime quelque chose. Pour ceux qui me connaissent extrêmement bien, ils savent que je suis assez drôle, puis je suis assez nounoune. Je suis gênée à la fois. Comme en ce moment, là, je fais une vidéo, puis je suis quand même gênée, même si je suis seule, c'est inou. Je suis bizarre. Autre information sur moi... Mon Dieu, j'ai une drôle d'allure. Autre information sur moi, je suis un aïe. Je suis plus capable. Autre information sur moi préhistoire. Je suis un enfant unique. Je
Je suis triste un peu d'être un enfant unique parce que, en fait, j'aimerais beaucoup ça avoir un petit frère ou une petite sœur. Mais là, pour le moment, je suis enfant unique. Je suis vraiment gâtée. J'ai les meilleurs parents du monde. Vraiment, ils m'ont toujours encouragée à suivre mes passions. Ils m'ont jamais poussée dans rien, forcée dans rien que j'aimais pas. Ils m'ont toujours encouragée dans les choses que j'aime, qui est la musique, bien sûr, toutes les passions que j'aime, le dessin, que j'aime la musique, la danse, n'importe quoi. Genre, ils vont m'encourager parce qu'ils sont fiers de moi puis ils veulent que j'aime ma vie. Ils vont pas me pousser dans rien, puis ils vont toujours m'aimer pour qui je suis. Puis ça, là, j'admire vraiment ça de mes parents. Je trouve ça tellement important, des parents qui sont comme ça, parce que il n'y a rien de mieux pour les enfants. Fait que vraiment, j'ai toujours eu une belle enfance avec de la confiance, parce que mes parents m'ont toujours donné confiance en moi. Puis j'ai tout le temps su qu'elle allait m'aimer, peu importe. Fait que j'ai les meilleurs parents du monde. Je les aime. Puis là, quand ils vont voir là, ce petit bout-là de vidéo, là, ils vont être contents, là. Salut maman, salut papa. Je suis aussi quelqu'un de très... Oui. Je suis aussi très solitaire, ça peut surprendre beaucoup de monde. Mais oui, je le suis quand même. Quand je suis avec des gens, non, pas du tout. Genre, je prends ma place quand il faut que je prenne ma place, puis je parle fort, puis hey, let's go, je m'amuse, puis je parle, puis j'aime ça, moi. J'aime ça parler, là, quand je suis avec du monde, c'est super le fun, tout. Mais je suis quelqu'un de très solitaire, j'ai besoin de mes moments à moi. Quand je suis à la maison, j'ai toujours besoin de mes moments à moi pour faire de la musique, faire de la danse, mes entraînements, tout ce qui me passionne, tout ce qui peut me faire améliorer dans l'art. J'ai besoin d'avoir mes moments tout seul. Bref, je suis quelqu'un d'assez extravertie, vivante, solitaire à la fois, nounoun, drôle. Je pense que vous en savez quand même beaucoup sur moi pour le moment. Je suis sûre et certaine que dans les prochaines vidéos que je vais faire, ma personnalité va paraître encore plus. Je vais être moins gênée devant la caméra. Ça peut paraître bizarre, mais je suis quand même gênée devant ma caméra de cellulaire, là, juste devant moi. Genre, c'est bizarre. Mais bref, je vais m'habituer. Ça, c'est sûr et certain. Je suis confiante. J'espère aussi que le contenu à venir va vous plaire. Alors, c'est ça. Fait que ça met fin à mon petit vidéo. J'espère que vous avez aimé et je vous souhaite toutes une excellente journée ou une excellente soirée. Merci de m'avoir écouté. Bisous! Ben tabarouette, c'est-tu bon cette vidéo de Miranda-là? Ben tabarouette! Moi j'étais surprise, hein? Moi je pensais qu'elle savait juste chanter. Ben non, elle s'est parlé en maudit, là. Elle s'est parlé, hein? Ah oui, elle s'est parlé. T'as vu ça, moi, hein? T'as vu ça aussi, toi, là? T'as vu ça, là? T'as vu ça, là? Aïe, tabarouette, tu fais mal, mon dieu, m'a donné une grosse claque dans la cuisse. Aïe, bon. Bref, la vidéo à Miranda était bon, maudit, là. J'étais surprise, moi, là. Non. Moi, on dit que j'étais surprise. Maudit, c'était bon. Bon. Ce que j'ai aimé, là, c'est son contenu, là. Ça a l'air, là, qu'elle va parler de perruques, de maquillage, de mode. Et moi, j'aurais besoin de tout ça, tabarouette. Mais tu veux l'aller? Tu veux l'aller? Moi, ça va pas bien, fait que je vois pas trop mon allure, mais bon, c'est ça. Toi, tu me vois l'allure, puis hein, ça va d'allure, hein. C'est pas drôle. Ben, bref, moi, j'aimais ça. Hey, surtout ce que j'ai aimé le plus, là. Moi, on dit que je suis contente de ça. La petite Zumba. De la petite Zumba. Hey, de la Zumba, là. Moi, je vais en faire cette teint, là. Je suis pas en forme, moi, là, mais j'ai besoin de me mettre en forme, là. Vous m'avez tué l'allure, comme j'ai dit, là. Mon Dieu. Ça sent... Mon Dieu. Alors, je suis vraiment surprise de la petite Miranda. Moi aussi, je suis surprise. Ils vont pas arrêter de le dire. Là. Mais bref, la petite Zumba, ça m'intéresse bien gros. Je suis pas en forme, moi. Fait que, je pense que ça va bien m'aider là-dessus. Là. Puis, ouais, c'est ça. Ouais, moi, je suis contente. Hey, là, là, la petite fille, hein, mon Dieu. Bon, je pensais qu'elle savait chanter et qu'elle était bien cute. Là, mais là, mon Dieu, la fille. Ça fait bien des affaires, ça allait. En tout cas, je regarde pas ça. Là. Hey, j'espère que toi aussi, là, t'aimes ça. Voyons donc. C'est impossible de ne pas aimer ça. Là. Hey, moi, j'arrête pas de dire. Je te vois mal. En plus, moi, je dis que je te vois mal. Maudit, il faut que j'arrange ça, ça marche pas là, ça marche pas là, ça... je vois mal, maudit que je vois mal. Bon, en tout cas, bon ben bref, oubliez pas, mon nom c'est Georgette.